Salut à tous, au moment où je vous parle, on est déconfiné, mais on n'a toujours pas de boulot. Ah ! Parce que les concerts sont toujours tous annulés. Mais vous allez voir que ça ne va pas m'empêcher cette semaine de vous parler quand même des coulisses de mon métier. Je vous explique ça tout de suite. Alors en effet, si vous suivez la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que je vais sortir en 2021 mon deuxième album. Et maintenant que le travail graphique est terminé, que le travail audio d'enregistrement est terminé, eh bien tout ça, ça va laisser la place au travail un peu administratif et à la diffusion, ce qu'on appelle la diffusion quoi. Et pour faire tout ça, je vais devoir faire ce qu'on appelle un EPK. Qu'est-ce que c'est ? Alors un EPK, qu'est-ce que c'est ? Si on traduit, c'est un Electronic Press Kit. C'est-à-dire en français, un dossier de presse électronique, en gros. Bon, l'idée est simple, je vais devoir réaliser entièrement une vidéo d'environ 1 minute 30 maximum qui va décrire le plus précisément possible quel est mon projet, ce que je fais, je vais me présenter et je vais envoyer tout ça aux professionnels avec une seule idée en tête, qu'ils achètent mon spectacle. Alors, un EPK, sachez-le, ça peut tout à fait se faire par un prestataire externe. Moi, j'ai décidé de le faire premièrement parce que j'aime bien avoir la main sur les trucs et puis surtout parce que à force de faire le guignol là toutes les semaines le dimanche à 18h sur 507h, j'ai acquis quelques compétences en vidéo que j'ai décidé de mettre à profit pour ce genre de petit boulot. Donc c'est parti, cette semaine je fabrique de A à Z mon EPK. Je vais le faire avec vous, vous allez suivre toutes les étapes. C'est parti. Alors, c'est parti. L'EPK, c'est quelque chose, comme j'ai dit, qui doit être très très court. Et donc, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire, parce qu'on a vite tendance à écrire. Et les gens qui écrivent des nouvelles par rapport au roman me comprendront. Synthétiser, ça prend beaucoup de temps. Il faut que je me présente, évidemment. Il faut que je dise le nom de l'album, que j'explique un peu pourquoi. Il faut aussi que je dise d'où je viens. Donc je vais parler d'Astafor et de Cabrel parce que ça brille un peu et ça fait pas de mal pour vendre. Il faut que je précise aussi que c'est mon deuxième album. Et il faut que je parle du live, évidemment. Il faut que j'explique que je vais tourner en trio. Donc que je présente les musiciens vite fait. Donc si je parle pendant 1 minute, avec les extraits, on sera à 1 minute 30. Donc c'est... ça va être compliqué, je pense qu'il va falloir que je fasse tout ce que je viens de dire en plusieurs petits paragraphes de 2 lignes, maximum de 3 lignes. Le choix de Hobson, c'est d'abord et avant tout de la chanson. Avec des textes en français qui parlent d'amour et de manque, ok, mais qui... Le choix de Hobson, c'est d'abord et avant tout de la chanson. Avec des textes en français qui parlent d'amour et de manque, certes, mais qui ne s'empêchent pas également d'aborder des thèmes un petit peu plus spécifiques comme les migrants ou l'écologie. Contrairement à mon premier album, que j'ai défendu tout seul guitare-voix et piano-voix sur scène, là, cette fois, je serai accompagné de 2 musiciens et la petite particularité, c'est que les chansons de ce disque, elles ont été composées avec cette idée en tête depuis le début. Bon voilà, le tournage est fait. J'ai fait 2 plans, j'ai fait un plan de semi-profil et puis un plan de face. Voilà, je pense que dans mon idée, je vais alterner ça avec des images de répète avec les gars. Il se trouve que j'avais filmé des images de répète pour un épisode 507 heures, mais je vais voir si je peux pas trouver des images là-dedans pour illustrer ça et alterner avec ce que je viens de tourner. Alors le top du top, ça aurait été d'avoir des images de concerts. Souvent on nous réclame ça dans les EPK, mais par définition on fait un EPK pour obtenir des concerts, donc c'est pas possible. Donc là le petit point d'interrogation, c'est est-ce que ce que j'ai filmé ça va convenir, est-ce que c'est correctement cadré, est-ce que la prise de son est bonne, j'espère, sinon il faudra refaire. Alors c'est parti, maintenant place au montage. Bon, alors c'est parti, on va importer tout ça.
quand même renommé les plans. Donc ça, c'est celui qui est de côté. Celui-là, c'est celui qui est de face, j'imagine, ouais. Oh là là, le cadrage me paraît bizarre. Alors, je vais commencer par... Ouais, bon, je vais importer les deux. D'abord, il faut que je cale le son. J'espère que j'ai fait un clap. Ouais, j'ai fait un clap. Yes. Par contre, il n'y a pas beaucoup de volume. Ok, le clap, il est là. Je m'appelle Franck Dunas. Je m'appelle Franck. Ok, donc celui-là, il est calé. J'ai l'impression qu'il faudra que je refasse. Je suis beaucoup trop de profil. En fait, dans ma tête, je voulais être trois quarts face. Là, je suis carrément de profil, en fait. Je vais faire une simulation. Je vais regarder. Je vais monter genre une minute du truc. Ça sert à rien que je monte plus que ça si jamais je le garde pas. La tête que j'ai. Ouais, oh, c'est pas génial, putain. Peut-être qu'il faut que je m'augmente moi. Pourquoi pas, ouais. Je m'appelle Franck Dunas, je suis... Je vais aller importer une musique pour qu'on se rende compte. Alors les chansons, je les ai déjà prises. Faut un truc un peu punchy pour démarrer le EPK. Je pense que je vais prendre Des milliards d'êtres humains, qui est clairement la plus rock de l'album. Du coup, on a une intro qui pète un peu. Ouais. En plus, ça me plaît, c'est le générique de 507 heures. Voilà, et du coup, faut que ça parle assez vite derrière. De toute façon, faut que ça fasse une minute trente maxi. Donc, vraiment, il y a vraiment intérêt à ce que ça soit percutant. Je m'appelle Franck Dunas, je suis auteur-compositeur et je sors en 2021 mon deuxième album. Ouais, alors là, en fait, je vais mettre la première phrase. Je vais suivre la musique, évidemment. Et là, l'idée, c'est que dès que ça prend la parole, la musique, elle baisse. Je m'appelle Franck Dunas, je suis auteur. Voilà. Je m'appelle Franck Dunas, je suis auteur. Ça peut même être un peu après, je crois. Je m'appelle Franck Dunas, je suis. Ouais, je pense que ça peut arriver un peu après. Donc on va prendre tout ça, on le décale ici. Je m'appelle Franck Dunas, je suis auteur-compositeur et je sors en 2021 mon deuxième album. Voilà, et là, du coup. Fera remonter la musique. Au même point que tout à l'heure. Auteur-compositeur et je sors en 2021 mon deuxième album. Voilà, là je mettrai des images. Donc là on a ça. Mon deuxième album. Le choix de Hobson, c'est d'abord et avant tout de la chanson, avec des textes en français, avec des textes en français qui parlent. Ouais, mais alors du coup, oh là là, mais j'aurais dû prendre deux caméras qui filmaient en même temps sous deux axes différents. Parce que là... Ah ouais, je peux pas me couper la parole comme ça parce que j'ai pas le même débit selon les deux prises. Texte en français, avec des textes en français qui parlent en dessous de la chanson, avec des textes en français. En français. Qui parle. Je vais essayer de faire une coupe là. Du coup, ouais, ah ça va être chaud. En fait, ça va être plus dur que ce que je croyais. Le choix de Hobson, c'est d'abord et avant tout de la chanson, avec des textes en français qui parlent d'amour et de manque, certes, mais qui m'empêchent pas également d'aborder... Ah, c'est bizarre ce plan sur le côté, il me va pas. C'est vraiment chelou. Ça fait quoi si je le mets là?
Et plus petit, ah bah non, plus petit du coup. Ah ouais, mais en plus j'ai la tête qui est coupée, oh là là, c'est pas bon, ça m'attarde à mort. Ah, ça me plaît pas en fait, c'est amateur de ouf quoi. Ben, j'ai acquis quelques compétences en vidéo. À la limite, le montage audio me plaît, mais pas le montage vidéo, quoi. Je m'appelle Franck Dumas, je suis auteur-compositeur et je sors en 2021 mon deuxième album. Même ma posture, elle est pas bonne, ça donne... Je me mets à la place des programmateurs, ça donne pas envie, en fait. Le choix de Hobson, c'est d'abord et avant tout de la chanson, avec des textes en français qui parlent d'amour et de manque. Je suis hyper... Je n'empêche pas également d'aborder des thèmes un petit peu plus spécifiques. Comme ça va pas, faut que je refasse. Je suis issu de l'école Astaffort de Francis Cabrel, donc même si parfois mes musiques peuvent prendre une couleur un petit peu plus pop, bah c'est important pour moi d'utiliser ma langue maternelle pour faire passer mes messages et mes émotions dans mes chansons. Et le bal des noyés. Bon, faut que je refasse. Vous aurez compris. Poubelle. Bon, c'est la fin de cette vidéo, cette étrange vidéo, devrais-je dire, qui a pris une tournure un peu bizarre, parce que alors que j'étais parti à l'origine pour vous montrer les coulisses de la création de mon EPK, je me suis retrouvé de fil en aiguille à vous montrer comment on peut passer plusieurs jours à travailler pour un truc qui n'aboutit pas. Alors au départ c'était poubelle, hein, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, et puis en réfléchissant après je me suis dit mais non mais en fait ça fait partie de mon métier, il faut que je leur montre ça. Quand on vous dit que dans l'intermittence il y a une énorme part de travail en sous-marin, des heures et des heures qui sont invisibles pour vous, c'est évidemment les répétitions, c'est les périodes de création, mais c'est aussi ce genre de travail, le travail administratif, le travail de diffusion, là en l'occurrence pour le PK. Voilà, du coup l'objectif de la vidéo a un petit peu changé, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous ai montré ça en toute sincérité, voilà, je suis parti pour faire un truc, ça n'a pas abouti. C'est le quotidien d'un intermittent du spectacle aussi. Voilà, espérons que la prochaine mouture sera la bonne. D'ici là, ciao.